Ce schéma directeur a pour objectif effectivement de permettre à la primature de disposer d'un référentiel, d'un document de planification des différents projets, activités, processus en droite ligne avec la modernisation de son système d'information. Il s'agira à ce niveau d'avoir une feuille de route claire, bien déclinée, qui part de l'analyse de l'existant et qui nous permet de définir la cible à atteindre à travers des processus, projets qui sont partagés avec les différentes structures métiers de la primature. Il faut dire que ces projets ne sont pas seulement de l'apanage de la DSI, c'est toutes les structures qui dirigent leurs projets et que nous accompagnons. Il ne s'agira pas pour la DSI de s'approprier les différents projets, mais d'être là et d'être au cœur de tout ce métier afin d'apporter notre aide à tout niveau. Nous voulons pouvoir compter sur tous ces services, sur toutes les structures centrales de la primature, parce qu'ils ont été impliqués et nous avons besoin d'eux pour la mise en œuvre également. Parce que chaque structure centrale ayant déposé, ayant exprimé un besoin, a des projets par exemple qui ont été déclinés. Et nous les attendons justement à la mise en œuvre en ce sens qu'ils doivent les porter et avec nous pour la recherche du financement, mais avec nous également pour la mise en œuvre technique. Parce que c'est eux qui connaissent réellement leurs besoins et leurs attentes et nous apportons justement la couche technologique pour eux.